Et salut tout le monde, c'est Celebi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau rétrospective numéro 2. Je m'excuse par avance du coup pour le retard que j'ai pris par rapport au premier, c'est parce que j'étais très malade ce week-end. Ça a duré jusqu'à mardi facile, même mercredi, là maintenant j'ai mal aux dents, enfin bref, y a rien qui va. Donc là je me sens un peu mieux, je peux vous faire la vidéo. Et je suis très déçu de pas avoir pu vous la faire lundi ou mardi parce que franchement j'avais fait une perf ce week-end malgré ma maladie qui était vraiment insane en fait par rapport à ce que j'ai pu, enfin par rapport à ce que je pensais pouvoir faire en fait. Donc là on se retrouve on est le vendredi, donc ouais, je suis vraiment très en retard, je comptais le faire en début de semaine. Et il faut savoir que il y a eu le double XP ce week-end et que du coup j'en ai pas mal profité pour XP même perso, donc mon craft principal qui est niveau 137. Mais qui n'est pas le plus haut niveau de ma team. Donc je sais plus trop où est-ce qu'on était la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, parce que je l'ai fait en deux fois. Et il me semble que j'étais déjà en bloc royal. Attendez, là d'ailleurs faut que j'équipe la bonne panneau. C'est bon, j'avais que ça. Et donc j'ai changé la cape et la coiffe. Donc j'ai équipé une béquille que j'ai été craftée. Donc c'est que des jets de craft hein, évidemment. J'ai pas encore les moyens pour FM, mais dans tous les cas, enfin pas les moyens. J'ai pas envie que les gens touchent à ces items là, les gens sont teubés de toute façon sur 29 dans les FN, donc j'ai pas envie qu'ils touchent. Une ortise également, hein, je passe dessus sans préciser, mais une ortise, voilà. Donc vous verrez aussi que mon premier craft sera mieux stuff que le deuxième, le premier anis sera mieux stuff que le deuxième, enfin je stuff vraiment dans cet ordre là, ce qui fait que je m'y retrouve mieux, je sais quel perso a les meilleurs items, etc. Donc c'est la meilleure ortise, c'est la meilleure béquille, donc pour vous dire la gueule des autres. Bilby Dido, je sais pas si je les avais, j'ai aussi monté des petits corbacks. Crystal Ball, donc voilà, je sais pas si je l'avais déjà. La panneau blob royal, au pire des cas, je repasse dessus. Hein. Voilà, il y a rien de fou, hein. C'est que du jet de craft, le petit gelano, tranquillou. Et le Defuscawatt, ça par contre, je sais que je vous l'avais montré. Au niveau des stats, du coup, j'ai restat récemment. J'avais restat pour faire mes donjons rats noirs, pour pas trop XP, j'avais restat en 150 intel restant vita. Et récemment, quand j'étais niveau 125, je dirais à peu près, peut-être un peu plus, j'ai restat en 100 intel, 150 ça et reste en vita. Ce qui me permet d'avoir une intel convenable, sans que ça me coûte trop de points. Une sasa pas mal pour XP. Et combler un peu le manque de vita que ça va créer, parce que je compte faire du Shenmue, tout ça. Donc il faut quand même tenir un peu les coups et passer en one shot. Donc le deuxième crash, je vais passer très vite, hein, ça reste la même chose. Les stats sont répartis de la même manière, les items bah, sont juste un peu moins bons, voilà. On passe sur les jets vite fait, et dans tous les cas, je pense que les items blob royaux, vous les avez déjà vus, donc c'est pas important. Ensuite, on passe à l'Eneripsa, donc l'Eneripsa qui est un petit peu la version low cost des Kras, c'est-à-dire qu'ils sont full sasa. Et en fait, ils possèdent également une béquille. Bon, pareil, hein, j'ai mis les mauvais jets sur Eni et Ossa. Voilà, ils ont leur tease, mais qui arrive plus tard. Et je compte remplacer les béquilles par des Holoun, j'en ai déjà crafté une, il y en a une deuxième qui est en préparation en banque. Mais bon, vu qu'il manque 9 et 13 levels, je crois, ou 12. Ouais, là il manque 9 levels, l'autre je crois qu'il manque 13 levels, un truc comme ça pour l'équiper. Ça me sert à rien d'équiper maintenant. J'ai aussi fait une panneau griotte normale, voilà, à la Zub. J'ai vraiment pas envie de faire la royale pour mes persos, ça va me prendre 8 ans pour gagner un PM et perdre des res ou gagner des res haut. Enfin bref, on s'en fout quoi, de toute façon c'était ça, ou ils étaient en panneau presse-pic. Je préfère qu'ils soient comme ça. Toujours avec le petit Bilby, les petites putes qui continuent de monter tranquillou. Je pense que je vais bientôt équiper les putes sur les ennemis, à voir. Et le petit corbac, voilà, que je vous ai pas présenté dans l'inventaire d'écran. Deuxième ennemi, voilà, pareil, hein, je pense qu'on va pas s'éterniser. Niveau 111, papillusion, même stuff, blablabla. Ossa, pareil, même stuff, 112, blablabla. Hein, Becky, Capres Peak avec l'ortise dans l'inventaire. Et là, on attaque les ennemis. Hop. Donc les ennemis qui sont en quasi full AA. Il manque juste la ceinture qui est une horreur à crafter. C'est affreux. Donc là c'est la meilleure AA, donc là la coiffe est sublime, hein, genre à part la vita et encore, on peut, enfin il manque 30 vita, mais elle est sublime vraiment, genre elle est magnifique. J'adore cette coiffe, j'étais vraiment content quand je l'ai craftée. Ensuite ma cap, voilà, on va passer vite fait sur les jets. Je vous montre vraiment cette panneau et les autres je vous les montrerai pas, des AA dans le parti du principe que dans tous les cas tous les items sont moins bons. J'ai aussi crafté les ARS que j'ai crafté à l'instant, hein, comme vous voyez dans le chat. J'en ai eu, je sais, 2 sur 3, j'étais vraiment content. Alors qu'elle avait 88%. Ma vie, c'est de la merde. Voilà, donc la mue, pareil, il me semble qu'elle est très bon G. Ouais, elle est extrêmement bon G. Hein. J'ai vraiment eu de la chance sur au moins une panneau, hein, ça c'est vraiment cool. Les bots, pareil, je crois que c'est. Ah non, les bots, par contre, j'ai eu que de la merde. Hein. 40 et c'est mes meilleurs, donc c'est vraiment nul. Et donc voilà, il manque la ceinture. Je sais pas si je fais encore une AA ou une Blop ou une Dracochoun ou je sais pas, ou.
Je sais pas du tout quoi faire encore. Je pense quand même partir sur une AA parce que je sais pas. Après, il va falloir que j'en recrafte deux pour les crabes, pour la CM. Ça va être peut-être un peu lourd. Voilà, donc je vous montre juste bien que les énus sont stuffés de la même manière. Hein, voilà, il n'y a pas d'embrouille. Il y a juste le dernier qui peut pas équiper son cac parce que ce trou du cul il a pas assez de chance. Du coup, bah va falloir que je lui fasse la ceinture en priorité. Parce que là, c'est ça aussi de mettre les stuffs les moins bons sur le dernier énu, c'est que du coup il peut pas équiper les cacs avec sa vieille Ares. Jimmy quasi partout, il casse les couilles. 3 CC, 16 chances de dos, ouais, ça va. Juste eu un bon Jevita, ouais, super. Et ouais, voilà, du coup, ça va être un peu la galère, mais bon, on s'en fout. Ils avaient un bâton tata, ça retirait de la chance, donc bon, c'est limite, il a gagné des stats en retirant son cac. C'en est presque triste. On va presque. On va. Bon, presque n'importe quoi. On va aller faire un petit tour en banque pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu farm, etc. Pour ceux que ça peut intéresser. Là, du coup, ça va être une présentation un peu plus. Technique, si je peux dire, de ce que j'ai fait. Vous allez plus voir que je vais vous expliquer. J'ai également encore des gemmes AA à taper. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je vous en filme de temps en temps. Je vois pas trop intérêt, surtout qu'en plus je lag un peu en capture AA. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a trop d'invocations. Enfin, c'est un délire. J'ai un maître Korbach aussi. À la limite, lui, je pourrais peut-être le filmer si je lag pas trop. À voir, parce qu'en 8 comptes, des fois j'ai mon PC qui a un peu de mal. C'est un peu emmerdant. Du coup. Je pense que je vous ai même pas montré, mais du coup, mon plus haut niveau est niveau 149 à la bordure du niveau 150. Et si je vous disais en fait que je regrettais énormément de ne pas vous avoir filmé la vidéo lundi, c'est parce que lundi, mon Enutroph était 147 et j'étais le deuxième plus haut niveau du serveur derrière la personne qui est au top du classement là, niveau 170 et quelques. Je suis peut-être encore deuxième, mais c'est vraiment pas dit parce que depuis, du coup, j'ai pas XP, j'ai fait que drop. Et du coup, j'ai vraiment pris très peu d'XP. J'ai dû prendre, ouais, voilà, j'ai pris 3 niveaux quoi. Ça paraît pas mal, mais j'ai fait un peu de grob donc c'est vraiment pas énorme. Mais ouais, voilà, j'ai un peu déçu. J'aurais pu vous sortir une vidéo deuxième du serveur là, vu que je suis pas sûr. Je vous le dis dans la vidéo, mais je vais pas marquer dans le titre parce que je suis sûr de rien. Alors, du coup, au niveau de la banque, là en ce moment, je suis en train de stocker pas mal de pierres précieuses, donc rubis, tout ça. Et j'ai en projet à court terme de crafter 2 limbes, donc il me manque. 14 ambres à brasson, il me semblait qu'il manquait 12, bon tant pis. Et je sais plus ce qu'il me manque aussi. Ah, du coup, il manque des émeraudes vu que j'ai dû en utiliser pour mes RS que j'ai foiré. Du coup, il faut que j'en refasse 4. Et il va me manquer également 14 rubis. Voilà, 14 rubis, 14 ambres et 6 émeraudes. Et je pourrais crafter mes limbes. Faut voir, est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais les drop. Je pense quand même à les drop les ambres parce que dans tous les cas, les abras c'est sympa à craft pour les AA et les CM. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre en projet? J'ai une Holoun en projet, ça je vous l'ai dit, mais bon, le craft est pas non plus folichon, folichon. Vous pouvez voir aussi que j'ai droppé énormément de blobs, enfin, sachant que c'est quasiment que du. Vous pouvez le voir au nombre de fleurs et de racines, hein, c'est quasiment que du dehors. Hein. J'ai vraiment farmé comme un débile dehors. C'était affreux. Qu'est-ce que j'ai farmé d'autre? Beaucoup, j'ai farmé beaucoup de rat noir. Est-ce qu'on va voir les ressources du rat noir? Voilà, on voit les ressources du rat noir, donc j'ai 115 étoffes du rat noir. Voilà. Faut savoir que j'ai farmé environ 45 donjons et j'ai retapé 45 captures. Donc voilà, ça se passe de commentaires. J'ai 100 pots de rat noir aussi. Peut-être que ça servira, je pense pas. En vrai, vu le farming qu'il y a eu, ça m'étonnerait fortement que ça serve. J'ai eu 4000 crocs de rat, j'ai 1500 points de poils de chat, de rat déboutant. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si on peut s'en servir. Non, ça a l'air puits sa merde. Hein, bon. Ça pourrira en banque, ça fera des souvenirs, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai pu farmer d'autre? J'ai farmé pas mal les Wabbits, mais ça c'était pour les Dofus Kawa, donc j'ai farmé plus à contre-coeur qu'autre chose. Voilà, hein, sinon j'ai trouvé une petite astuce pour farmer les boîtes Tronknit, vu que ça coûte un peu cher. J'ai farmé un peu de grob, comme je vous ai dit, c'est quand même pas mal. Les Kitsu également, j'ai presque 400 pots de Nuit-Feu. Il me reste encore quelques poils aussi. Les poils qui sont très très durs à choper hein, quand même et qui servent pour. Chapeau Feu d'Allah, Solo Monk, bon Solo Monk ça attendra un peu je pense pour les gens. Ortiz, Caput, c'est vraiment des stuff très très demandant, enfin très très demandeur en poil de Nuit-Feu et c'est très dur à obtenir. Donc il y a une forte demande, il y a un fort farm, mais il n'y a pas tant d'offres que ça, donc c'est une ressource qui vaut très très cher et qui est très dur à obtenir comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, donc je voulais faire un truc concis. Je savais que ça allait être un peu long, je sais pas du tout combien de temps j'ai mis. Vous voyez que je lag un peu, c'est un peu handicapant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire. Pour mon MP, c'est Celebi sur Algat. Et à la prochaine, bah.
Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde.